Et yo tout le monde l'équipe, c'est Corsico, j'espère que vous allez tous très 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 bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de cette pépite et un review, une review surtout de cette pépite. À savoir que dans cette début de vidéo, j'ai déjà tourné la review, donc je sais déjà quoi dire de ce joueur. Mais les gars, je le dis en fin de vidéo, ce que je conseille de le faire, s'il faut le faire ou non, en tout cas les gars, la review va être très intéressante, vous allez kiffer. Les mecs, à savoir que du coup cette vidéo, ça reste aussi une vidéo pour vous dire, est-ce qu'il faut le faire Rashford les gars? Donc cette réponse sera en fin de vidéo frérot, donc voilà, je donnerai mon avis s'il faut le faire oui ou non. Mais en tout cas voilà les mecs, dans cette vidéo vous allez voir les reviews du joueur les mecs. J'ai vraiment fait 3 matchs, on a vraiment regardé comment le joueur se comportait in game, les buts qu'il marquait, ses déplacements, ses frappes, ses 5 étoiles gestes techniques. On a un peu tout testé les gars du joueur. Mais en tout cas voilà, faut savoir que ce SBC coûte autour de 110 000 crédits les gars, autour d'une équipe à 84, à 85, à 86. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont des fodders, donc pour la plupart des joueurs ça reviendra à la limite gratuit. Donc voilà, à vous de voir les gars, je vous donne ma réponse en fin de vidéo les mecs, si faut oui ou non le faire. En tout cas voilà les mecs, je tiens à remercier Noam parce qu'on sera sur son compte pour tester le joueur Rashford les mecs. En tout cas voilà, lâchez un maximum de likes, abonnez-vous à tous les nouveaux, bienvenue à tous. Et dites dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos review de certains joueurs, de POTM, tout ça les gars. À savoir qu'il y a Kim Jae, Kim Min Jae aussi qui est sorti, qui a une très belle carte. Donc voilà les gars, place à la review. Du coup la review du joueur les mecs, on est sur le compte du frérot encore une fois, Noam qui l'a fait les mecs. Donc moi ça va me permettre aussi, je vais mettre les lettres derrière, c'est toujours mieux. Ça va me permettre aussi les gars de voir s'il vaut le coup ou pas Rashford. Il a pas encore testé de match, donc je vais être le premier à le tester. Alors à savoir que Rashford les gars, vous pouvez le changer de poste, c'est là, vous pouvez le changer de poste les mecs. Alors attendez, je vais le remettre, c'est là le changement de poste, non c'est pas là. Alors on va aller voir, pour le changement de poste c'est là, poste 21. Par exemple, on met, tu peux le mettre en AG ou en MG si jamais les gars. Donc ça qui est grave bien, je vais vous montrer la tactique. Je pense qu'on va le tester d'abord buteur. Je vous montre, il a une tactique les gars perso en 4-4-2. Alors il a dit que c'est la tactique des Twins les gars, donc si jamais il y en a qui veulent. Donc voilà, in-game il va jouer comme ça, je vais sûrement mettre Rashford à gauche. Voilà, on va mettre ça comme ça les gars, c'est parfait. Et après on pourra le tester côté gauche aussi, après on pourra faire des changements. Mais voilà, on va tester 2 matchs, je vais vous mettre les meilleures actions. On va aller en Rivals les gars, donc je vais lui faire un petit peu de match en Rivals. Avec un peu de chance, on va lui monter un petit peu en point fut champions. Ce qui est bien c'est que je suis en division 8 aussi, il est en division 8, donc on est à peu près à un niveau similaire les gars, c'est grave bien, franchement il n'y a rien à dire là dessus donc voilà, on va tester avec le magnifique maillot de Lyon. C'est parti les gars, je vous mets les meilleures actions de Rashford à partir de maintenant. Juste une petite coupure les mecs, si toi aussi tu veux avoir une équipe de fou pour ce FIFA 23, je te conseille d'acheter des crédits sur IGVOL, c'est le site le plus fiable du marché français les gars. En plus vous avez un coupon de 6% de réduction avec le code promo Corsico, n'hésitez pas, vous rentrez sur le site. Ok, avec Rashford les gars, j'ai tiré, j'aurais peut-être pu avancer, mais voilà, c'est déjà une première occasion les gars pour le petit Rashford. Ok les gars, on la tente. Ok, on teste vraiment des choses avec Rashford, hein, c'est vraiment pour le tester, donc il est lent les gars dans ses percussions et tout, je vous jure qu'il est hyper lent. Ouf, dommage, dommage, franchement Rashford, dommage, là c'était bien joué. On va aller voir comment il se comporte Rashford. On va lui donner extérieur, extérieur magnifique. Donc là les gars, premier but avec Rashford. C'est un finisseur avant tout, mais je trouve les gars dans la percussion il est un peu lent. Donc là on est encore en train de le tester, c'est normal. On teste certaines choses avec, mais voilà, il est déjà buteur au bout de 37 minutes. Il s'est bien passé en retrait, il n'y a rien à dire. Oh, l'appel de Rashford, voilà. Rashford là il a fait le bel appel. Voilà, joue à 2, j'ai mal joué, je voulais qu'il la mette au deuxième poteau. C'est pas fini, Zakaria. Zakaria, Sterling, Rashford et but. Voilà. Peut-être qu'il y aura un rush kit sur un doublé de Rashford. Voilà, premier rush kit. Donc, en soi, il a pas montré quelque chose de ouf dans le match, mais il met quand même doublé. Bon, après, c'est cher. On a cherché les buts avec Rashford. Mais voilà, première victoire en division 8. On va continuer des matchs. Voilà, ça suffit pas pour le tester encore. Sterling, là, qui est beaucoup plus petit. Rashford, c'est très, très, très grand. Allez, il a fait l'appel. Voilà. Et regardez les grandes enjambées qu'il fait, les gars. Incroyable. Par contre, ça, les mecs. Ah, je suis désolé, vous avez pas vu avec la cam le but, vraiment. Je vais déplacer la cam comme ça, je suis désolé. Ouais, vous avez capté un peu comment il a marqué. Par contre, il fait des enjambées, les gars. Tu vois, c'est cheaté. C'est les enjambées qu'il fait, c'est cheaté. Ensuite, il a une finition incroyable. Par contre, il n'y a rien à dire. On va voir. On va jouer à deux le corner. On va chercher Rashford. Où est-ce qu'il est? On fait notre technique, forcément. Le centre, Rashford la tête. Dommage. Varane. Et le but de Varane. Ça, c'est cheaté quand même. Ok, 2-1. Par contre, quand il est, les gars, devant la défense, regardez par exemple là. Regardez un peu, avec un peu de réussite. Là, il est puissant. Il est puissant de ouf. Eh ouais, il est puissant de ouf les gars que ce soit. En fait, tout ce qui est finition les gars, il est puissant de malade mental. Mais tout ce qui est création de jeu, non, pas encore un rush kit les gars. Encore un rush kit. Encore un rush kit sur un doublé de Rashford. Même s'il y a des trucs. Ouais les gars, il est là, il finit. Regardez, encore un rush kit les mecs, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon bah on va faire un troisième match les gars pour le gameplay, mais en tout cas pour l'instant c'est tout ce qui est finition en buteur les gars, Rashford c'est puissant.
Ok, ça part. Avec Rashford encore, regardez. Voilà, ça c'est magnifique. Ça joue sur Diaz. Oh, si ça part de Rashford, les gars, c'est magnifique. Eh, magnifique. Magnifique, ça part de Rashford, les gars. La contre-attaque part de Rashford, c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Ok, pour Rashford. Non, penalty. Eh oui, bah oui, touche pas le ballon. Penalty. Oh, je crois qu'il me l'a blessé, même. Je crois qu'il a blessé mon Rashford. Mais non, arrête tes conneries. Mais non, il a pas blessé Rashford. Alors, on va tirer le péno avec Rashford, du coup. Alors, j'adore Paqueta, les gars, mais là, on est vraiment sur une pelure. En plus, il a 95 en penalty. Il a 95 en penalty, les gars. Ouh, d'accord. Autant pour moi, il l'arrête. Bien joué. Ok. Eh, physiquement, les gars, c'est puissant. Physiquement, c'est puissant, vraiment. C'est très puissant, même, physiquement. Oh, dommage qu'elle y va pas, les gars. Il nous a fait du lourd, Rashford. C'est sûr et certain, les gars. Il n'y aura pas de rage kit, à mon avis. Mais, oh, Rashford de la tête. On va voir ce que ça donne. Rashford de la tête. Dommage. Ok, Rezus. Ok, Rashford. Rashford, il a bougé le gardien. Il a bougé le gardien. Il est bon, il est bon. Et but de Rashford. Elle y est, les gars. Et il se passe trop bien. Là, les gars, dans l'action, il a limite servi à rien, mais il est là à la finition. Encore une fois, les gars, c'est abusé. Je crois qu'il est hors jeu. Mais let's go 2-2. Oui. Eh merci les gars, eh merci Rashford, c'est abusé. C'est abusé quand même. Oh, j'ai envie de le faire sur mon compte maintenant, ça y est, je vous jure, il m'a donné envie de le faire. Oh là là, il est fort les gars, il est très fort hein. Au début je me suis dit bof, mais au final c'est très fort. Oh ça c'est abusé, vu que c'est Vinicius. Heureusement Koulibaly on a bien défendu avec. Voilà. Rashford, oh non les gars. J'ai tiré côté fermé, je me suis dit il va décaler le gardien. Et non, c'est une erreur. Par contre les gars, voilà, là on le voit, Rashford il se fatigue hyper vite. Il fatigue hyper vite, les mecs. Ça, c'est un point important quand même. C'est un point important à prendre en compte quand même, qu'il fatigue hyper vite. Voilà. Il est toujours bien placé. Ok, là, on lui remet. Waouh, Rashford. Dommage, t'es bien joué. Mais après, c'est vrai que j'étais un peu en arrière pour faire l'enrouler. J'aurais dû peut-être mieux me placer. Mais c'était pas mal, c'était pas mal. C'était un beau début. Là, on récupère. Ok, non, on récupère pas. Voilà, ça, c'est bien joué. Ça c'est bien joué, et Nunez. Voilà, les gars, il y a moyen, il reste 4 minutes, on peut peut-être revenir en 4 minutes. Passe décisive de Rashford. Ouais. Bon, là, les gars, on finit sur cette défaite, du coup, les gars. C'est dommage, hein. Mais en tout cas, Rashford, ça reste très fort. Ça reste très fort, mais est-ce que ça vaut le coup complètement? Parce que c'est 110 000 crédits qui partiront en poussière d'ici un mois et demi. Là, c'est sûr, il est très bon, mais une fois qu'il y aura les premières mises à jour, ça va donner quoi, les gars? Donc voilà, moi, ce que je conseille, les gars, c'est réellement, de si t'as des fodeurs, tout ça, de le faire. Si vraiment t'as des fodeurs, de le faire, les gars. Et sinon, si vraiment t'as un kiff sur le joueur, fais-le aussi, pourquoi pas. Mais sinon, non, ne le fais pas. Sinon, ne le faites pas, parce que s'il y en a qui veulent vraiment un buteur, là, certes, il était très fort. Hein, 3 matchs, 6 buts, une passe décisive, on peut rien dire. Hein, c'est ce qu'on attend d'un buteur. Hein. Il est très bon, il n'y a rien à dire. C'est 110 000 crédits, mais c'est invendable. Et c'est pas une grosse note, donc ça va être compliqué. D'ici un mois, deux mois, ça partira en poussière, donc... A vous de voir si vous voulez utiliser 100 000 crédits pour l'instant présent, on va dire. Mais sinon, voilà, si maintenant vous cherchez une doublure, mais que vous gardez en vendable, ça serait Haaland. Haaland qui lui aussi serait aussi similaire, les gars, sauf que lui il a 4 étoiles. Mais voilà, moi je conseillerais plus d'acheter maintenant du Haaland vendable que vous revendrez plus tard. Après, tu me diras, son prix aura aussi baissé. Donc, mais voilà, moi c'est ce que je conseille. Ceux qui prennent Rashford, je comprends. Je comprends parce qu'il reste quand même très fort. Mais voilà, ça sera que temporairement. En tout cas, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez plus de ce genre de vidéo, de review sur les joueurs. Cher, merci encore une fois Noam qui nous a prêté son compte, les gars. Voilà, moi il est très fort. Je vous jure que j'hésite à le faire. J'hésite à le faire, je verrai encore. On sera en live en tout cas samedi matin. Samedi matin, je compte sur vous pour être présent. Gros big up à tous, passez à tous une bonne journée ou bonne soirée quand vous regardez la vidéo. En tout cas, c'était Corsico.